Enhardis par le retour de leur héros et roi, Varian Vryn, les fiers humains de Hurlevent ont mené l'Alliance à la victoire contre le funeste roi Lich. La campagne en Orfandre fut victorieuse, mais coûteuse, et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit contre son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Ouf! Et nous voilà, donc du coup, bah, j'ai même ma caméra qui est au bon endroit, j'ai pas besoin de la bouger. Clic droit pour obtenir une première quête, d'accord. On va juste se déplacer, comment on fait déjà? Voilà, comme ça. Donc nous voilà, hein. Ici ça a pas trop changé. Alors au niveau de l'histoire, je suis carrément à l'ouest hein, maintenant, je sais plus du tout qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a eu et tout, mais bon tant pis. Hein. Là on fait juste un petit peu de gameplay pour voir. Alors clic droit pour prendre. Alors. Ah c'est donc vous le recrue, blablabla. Bienvenue à bord, marchand lionel, fouille, non c'est pas aussi. Monkira, vous êtes Monkira? Oui. C'est bien ça. Vous arrivez à point nommé les orques. Blablabla. Dirigez nord-ouest dans la forêt et tuez les wargs roches noires qui nous attaquent. Allez, mes soldats. Hop. 6 wargs au nord-ouest. Hop, on accepte. M. Il faut indiquer votre position, c'est là, et nous on doit aller ici, je crois. Hein. Juste là, d'accord. D'accord. Sélectionner la cible. Ça n'a pas changé, qui pour afficher les commandes des claviers souris. Ça, on verra après. Casse-toi, hop. Donc, bah, faut tuer les mecs qui sont là, les monstres. Ouais, pour l'instant, il n'y a que toi. Non, vous êtes trois sur la vidéo, sur le live. Tu dis quoi, Zocchium? Pourquoi tu achètes pas le jeu entier au lieu de payer tous les mois? Je sais pas ce que tu veux dire. Le jeu, je l'ai déjà depuis très longtemps, en fait. Je l'ai acheté il y a longtemps. Mais à l'époque, je te dis, je suis à l'époque de... Il fallait payer par mois aussi un abonnement, quoi. Je crois que ça a changé. Bon, maintenant, c'est gratuit jusqu'au niveau 20. Avant c'était même niveau 1 il fallait payer. Pour que tu vois depuis le temps que je joue pas. Hein. Ah oui, envoyer les sorts, les trucs, clac. Hop. Sur 1, sur 2. Après, ce qui me lassait souvent aussi, c'était que les quêtes au début, comme ça, c'est bon, c'est un peu comme dans tous les jeux de MMO, c'est ça, c'est va tuer 20 trucs, va tuer 10 machins, rapporte. Ça, voilà, c'est toujours pareil. C'est juste les monstres qui changent. Mais ce qui me plaît dans ce jeu-là, c'est vraiment les décors et tout. Je sais pas, cette ambiance cartoon plutôt que réalisme. Je préfère. C'est pour ça que c'est dommage que, bon, après c'est payant parce que payer tous les mois pour
voilà, tuer des trucs, faire des quêtes toujours les mêmes. Bon, après, c'est ça, comme je disais, c'est ce qui est bien, c'est quand on est plusieurs dans la même guilde ou quelque chose, et faire les raids, les machins. Là, ça devient intéressant. Mais bon. Comme je suis toujours en train de changer de jeu aussi. J'ai les 6 là. Ouais. Salut Manu, 48, ça va? C'est par là-bas. Ah ouais, M pour ouvrir la carte et on doit revenir là, ok. Tranquille le mec avec la bécane. Il roule sur tout le monde. Hop. Honneur au roi. Nous avait fait gagner un peu de temps, mon Kiraf, mais des problèmes encore plus importants nous attendent. Très bien. Et on a gagné des gants d'éleveur de Gorg. Patin. Niveau 2. Si ils nous envahissent, ils s'en soucient. Blablabla. Tuer donc 8 espions roche noire. Pour gagner la ceinture. C'est les petites quêtes de début de tuto en fait pour savoir comment utiliser, attaquer les trucs et tout. Puis ça nous fait gagner de l'équipement petit à petit. Équipement de base évidemment. Si j'aime bien Overwatch, j'ai jamais joué. Donc je sais pas. B. Ah il est là. Ça, clic droit pour équiper, ça c'est comme avant. Cling. Hop, on a équipé ses gants. Voilà. Alors, les espions roches noires, ils sont où maintenant? Tac. Ce même endroit, par là. C'est pour voir les objets équipés, c'est là. Ouais. Très bien. C'est par là-bas. Alors, ça doit être là-bas, c'est quoi ça? Voilà. Caché, hein? Oh, tu es humain. Tu es rien du tout. Donne-moi tes sous. Faut que j'en tue 8. Ah, regardez comme il se cache. Tac. Pardon. La démo, ouais. Ouais, parce que j'ai toute la team là qui joue à Overwatch, je crois. S'il y a une démo gratuite, ouais, il faudrait que j'essaye. Que j'essaye. Lui il est en train de se faire attaquer. Lui, hop. Allez, il m'en faut encore 4. Hop, on gagne un peu de sous en même temps. Tiens, il y en a un autre là. Non, c'est pas lui. Il venait pour l'attaquer aussi les autres. Il y a tous les noobs comme moi qui font toutes les petites quêtes au même endroit, donc voilà. S'il y a trop de monde, on est obligé de se partager les monstres. Ce qu'il dit Fabien. Je comprends rien. Tu veux m'écrire comment en privé? Tu peux essayer la page Facebook. Ouais.
Normalement, le lien est dans la description aussi. Quête terminée, appuyez sur M. Hop, il faut retourner au même mec. Bon, ça j'ai compris, c'est pas peine de le dire à chaque fois. Let's go. You. Bon, comme d'hab, hein, si ça vous plaît, je parle surtout pour ceux qui regardent en rediff maintenant. Ce gameplay là, si vous en voulez, plus, ben lâchez le maximum de pouces bleus comme, oui, comme tout le monde. Hein, c'est le seul moyen que j'ai de savoir si ça vous plaît. Ce genre de gameplay, hein, moi ça me dérange pas de le faire. Donc voilà. C'est un travail, mon Kéa, vous avez prouvé que vous étiez un réel atout pour cette garnison. Il est temps d'aller vous exercer. Ok, on gagne une ceinture, très bien, super, claque. Et on gagne encore un niveau. Alors c'est gratuit jusqu'au niveau 20, ils sont sympas, mais on gagne vachement rapidement des niveaux au début. Hein. Genre, donc jusqu'au niveau 15, ça va être super rapide. Seulement après, ça ralentit un peu, et puis quand ça devient intéressant, c'est là qu'il faut commencer à payer. C'est le truc, hein, c'est bien fait, mais voilà. Au moins, ça nous permet de voir un peu de gameplay. Alors, j'ai reçu un message urgent de la part du sergent William. Il semblerait que les orcs crachent noir aient engagé des assassins gobelins. Il a entendu une embuscade, blablabla, vous demandez de lui envoyer un héros, vous devez aller les aider. Sergent William se trouve au nord de la baie, à la tente de commandement, faites vite. Allez, on va aller voir le sergent machin, pour l'alliance. On va voir le sergent bidule, on va équiper notre truc, c'était quoi déjà B, voilà. Nouvelle ceinture, attendez, on va regarder à quoi elle ressemble en direct. Hop, tadam! C'est ça qui me plaît en fait, surtout aussi dans ce jeu, c'est de voir l'habit des personnages changer. Appuyez sur C pour voir ce que j'ai équipé, d'accord, j'ai compris. M pour aller, donc c'est tout droit vers le nord, donc c'est ça, par là-bas. La tente, bah il est là-bas. Bonjour. Tu permets voilà, merci. Salutations. Joue RP moi. C'est vrai, on nous a tendu une embuscade, je n'ose plus envoyer de soldats là-bas, il risque d'être perdu de rien, il faut un volontaire pour. Allez, un volontaire. Gobelin, ce sont. Donc il faut qu'on attaque des gobelins, c'est ça? 8 assassins gobelins qui sont sur la barre. Là il y en a un. Hop. Ah, on a une nouvelle attaque. Cliquez sur charge. Ah ouais, c'est à distance, d'accord. Hop. D'accord. Je me rappelle même plus de ces attaques de base, c'est incroyable quand même. Allez, 3. Wow. Cling. C'est trop loin. Ouais, bah d'accord. Fouya. Paye. Tiens, lui va s'en prendre un aussi dès que. Non. Tant pis. On l'attaque directement comme ça. Tching tching. Par ici la monnaie. Lui, il est trop loin. Mais on va l'avoir. Ouya! Ensuite, il m'en faut encore 3. Là. Je ne suis pas à portée. Oui, je me suis trompé de bouton, c'est pas grave. Une autre quête est disponible aux alentours. Cherchez le point d'exclamation. D'accord. Dès que j'ai fini, elle doit être par là-bas. Gueule, hein.
Je dois m'approcher. C'est une cible. Donc ça, on a fini. Hop, on revient là, d'accord. Ah ouais, la nostalgie là. Voilà, on fait les quêtes de début, c'est clair, mais moi, je m'amusais à me balader en fait, à juste explorer les recoins et tout ça, et puis retrouver des petits camps comme ça. C'est juste du décor, qu'il n'y a rien qui se passe, mais rien que l'ambiance. Je coupais la musique pratiquement, on n'entend pratiquement pas la musique si vous remarquez. Et je jouais entre guillemets RP, je me baladais, j'explorais les coins et tout. C'était ce qui me pesait le plus, hein, que faire les quêtes. Comme j'ai dit, les quêtes, au début, c'est toujours la même chose. Aller chercher 10 champignons, tuer 4 ours, un truc comme ça. Donc lui, c'est pour récupérer. On va frère Paxton. Que puis-je pour vous ? Que puis-je pour vous ? Comment ? Vous n'avez pas encore embrassé la voie de la lumière sacrée, mon frère ? C'est par la lumière sacrée que nous trouverons le chemin de la salvation. C'est la lumière sacrée qui me rend capable de soigner tous les soldats qui réclament mon aide. Et c'est aussi la lumière sacrée qui vous donnera le courage de vous aventurer au nord sur le terrain et de secourir nos frères déchus. Gardez précieusement ce livre de prière avec vous. Gilet de chasseur de loups et 50 pièces de cuivre. Plus de l'expérience. Réanimer 4 soldats blessés. On accepte. Hein. Plus tard. A plus. Tac. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, ça leur apprendra ces monstres. Ils y réfléchiront à deux fois avant d'accepter une autre mission de mercenaire pour les orques. Exactement. Clac. Excellent travail. Donc, Raph, la zone arrière. McBride. Présentez au marshal McBride devant la baie du comité du Nord dans la forêt d'Elwyn. D'accord. Que la journée soit bonne. Merci, toi aussi. B. Donc on a les bottes. Cling. Oh, c'est des vieilles sandales toutes pourries, la honte. Oh, elles sont horribles. Avec les petites lanières derrière. Je les déteste. Oh. C'est pour aller les objets occupés, on a compris. Maintenant, attendez, c'est vrai que je dois faire quoi? Ah, attendez, il y a une quête là aussi. Ah, c'est là-bas au fond. Ah oui, soulever les soldats déchus, machin. Ah, réveille-toi. Je crois qu'il faut en faire 4 seulement. Debout. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On va lui rendre sa quête. Vous avez besoin de quelque chose ? Je pense que désormais vous comprendrez. Encore un niveau. Niveau 4 déjà. Je m'éloigne du bruit là parce que ça casse les oreilles. Et je vais vers cette quête que je dois rendre là quelque part apparemment. Point d'interrogation, c'est rendre une quête, je crois. Allez, présentez-vous maréchal, blabla, MacBeard, c'est ici en fait. Bah, c'est le même de tout à l'heure. Attendez, on va équiper notre gilet qu'on a gagné là. Hop là. Ah, on ressemble à un super-héros maintenant. Il n'y a plus les vieilles fringues de paysans là. Oui, c'est déjà la troisième ou quatrième fois, mais c'est pas grave. Grâce à vous, nous avons réussi à sécuriser les secteurs du nord et ouest et comté du nord. Il reste encore un grand nombre d'orques. Allez, donne-moi mon dû. Comment c'est incendié là? Attendez, je fais péter un peu. Merde, j'ai même pas lu la quête. Système, je vais baisser le son encore du jeu. Voilà, voilà. Faut qu'on ait l'arme d'or crush noir. Du coup, je sais pas ce que je dois faire. Ah, je dois aller là-bas, d'accord. L'invasion roche noire. C'est par là-bas.
Une autre quête est disponible aux alentours, d'accord, mais... Ah, c'est chiant, hein, par contre, au début, qu'on est obligé de faire tous les trucs, sinon, on a que les messages de spam. J'en arrive à regretter l'époque où les défis... Les vignes sont en feu, d'accord. On se voit plus tard. J'ai un extincteur dans le dos, regarde. Allez, faut qu'on aille éteindre donc les feux qui sont où du coup ceux-là. Ils sont là. Donc par là-bas. Allez, on y va, on fait ça en attendant. Éteindre le feu des vignes. Oh là, c'est là-bas. On a juste ensuite à aller sur la droite et rejoindre la quête principale. C'est pas là qu'il y avait le carnaval des fois. Je me rappelle à une époque, c'était un event qu'il y avait de temps en temps. Il y avait genre toute une troupe de... Je sais plus quoi qui venait et qui... Et il y avait des activités... Oh merde, je me fais attaquer par lui. Hop. J'ai un orque juste à côté de moi, je trouve. Arme d'orque, roche noire, d'accord. Eh oh! J'étais là en premier. Ouais, je disais qu'il y avait donc comme une caravane avec plein de. De trucs, des manèges et tout ça, des jeux, des mini-jeux. Oh là là! On va se cacher un peu là parce que. On va se faire déglinguer. Elle peut pas me guérir elle? Comment je fais pour me guérir d'ailleurs? Je vais sortir de la zone parce que. J'ai rien pour me guérir. J'ai pas un sort, un truc. Ça c'est quoi? Chacun pour soi, un collection. Ouais, ça c'est un truc qu'on a gagné, je sais pas quoi. Non, j'ai rien pour me guérir. Parce que là je suis à 1 PV, un truc comme ça. Ah non, je suis bête, c'est en rouge, je suis trop con. C'est en vert la jauge. Je dis n'importe quoi en fait. Je suis tellement à côté de la plaque dans ce jeu maintenant. Je crois que c'était la barre en dessous. Comme je l'avais vu descendre, mais c'est la rage en fait. Parce que je sais pas ce que c'est d'ailleurs en plus. Allez. Plus qu'à éteindre deux feux. Voilà. On va quand même buter les orques parce que c'est ça qu'on doit faire en fait, c'est récupérer les armes d'orques roche noire. Je vois ça. Donc on en a déjà 4 maintenant. Je ne suis pas à portée. C'est pas grave, on se rapproche. Ouais, c'est ma rage en fait, la barre rouge. Je pensais que c'était ma vie sur le coup. Tu as vu tous les Senseiya? J'ai vu tous les anciens Senseiya, ouais. J'ai pas vu la Hades et tout ça. Pas encore, je les ai en DVD, mais j'ai toujours pas vu. Et Merej, salut d'ailleurs. Croupe,
qui conseille Dragon Ball Super, que comme je t'ai dit, ouais, j'ai toujours pas regardé. Ça m'attire pas en même temps. Je sais pas pourquoi. Mais il faudrait que j'essaye. Du coup, ouais, Croupion, vas-y, toi qui regardes maintenant. Donc ça vaut vraiment le coup, Dragon Ball Super? Parce que c'est vraiment comme tout le monde dit, au début c'est pourri, et après... puis après en fait ça devient intéressant après. C'est trop loin. Voilà, ça on a fini. Allez, on retourne maintenant. Oula, ça va attaquer. Alors, mais c'est super quand il dit. Ça a rien à voir avec les GT. Avec Dragon Ball GT? Ouais, bah je m'en doute. Mon personnage est Saga sur Senseiya, les anciens. Et les Dragon Ball, c'est Vegeta. Oh, cool. Et en fait, ouais, Dragon Ball Super, ça reprend où? À la fin des anciens, quoi? Alors, on va rendre la quête. Oh, dis donc, il a une monture, celle-là. Alors... Je vous souhaite une bonne journée. Mais moi aussi, merci. Au revoir. Tadam! Allez. Tenez, les armes d'orque roche noire. Maintenant que les principales forces d'assaut a été vaincues, les orques roche noire vont sûrement se replier. Il reste plus qu'une chose à faire. Un passage qui mène aux montagnes, Kurtok sera là préparant une nouvelle attaque, tuez-le et revenez me voir. Et on recevra un marteau. Elle est rouillée mon épée aussi, son design. Elle est pourrie. Donc on doit aller maintenant vers le nord. Et on va regarder un petit peu, on va visiter un petit peu. Allez. Comme c'est beau. J'adore. Si fait lui. Jeune recrue blessé. Petite air de famille, non? Je dirais. Non? Alors ça nous dit quoi dans le chat? Suite à Dragon Ball Z, d'accord? Certains épisodes m'ont filé des frissons. Quand même. Puis ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai que t'es très vieux aussi. Oula. Everybody let's go for fighting. Pardon. Ouais, c'est l'expansion de... des Kung Fu Panda. Bon. C'est très bien. Bon, allez. On ressort parce qu'il fait froid ici. Le grand hall. Bon, il faut aller où du coup maintenant? Loin, j'espère, non? Ah, oh, super! Et maintenant, quand tu sors ta carte, ton personnage, il a la carte dans les mains. Je crois pas que ça le faisait avant. Ça m'a jamais frappé, en tout cas. C'est classe! Très bien! Donc c'est derrière la baie, près des montagnes. Tu sais même plus ce qu'on doit faire. Ah oui, on doit aller chercher un mec, je crois. Tuer un mec, ouais, Kurtok, le tueur. On va le chercher. Est-ce qu'on a des trucs à équiper au fait qu'on a gagné? Oui, une cape. Cape tachée de vin. Tada! Elle est tachée de vin, ça?
fait très gay pride, c'est pas grave. Ah puis c'est vrai qu'on a un sac maintenant, on a gagné un sac de vendange. On peut récupérer plein de trucs, d'objets super cool. Très vieux, moi j'ai pas 40 ans. Moi non plus, heureusement, pas encore. Enfin, heureusement, pas encore, hein. On y aura tous 40 ans un jour. On espère en tout cas. Vraiment de la merde le chat YouTube. Pourquoi ? Faut qu'on traverse là. Oh, je vais mouiller ma nouvelle armure, ma nouvelle cape Gay Pride. Oh, j'ai pas envie d'aller jusqu'au pont par contre. Allez, je traverse. Ah, oh, c'est mouillé, c'est froid. Il est là. C'est lui. Il est tout seul en plus. Il n'y a aucun de ses sbires. On va le défoncer. On va se faire défoncer, oui. Allez, il prend cher quand même. Hein. Tiens, 5 cuivres, c'est tout. Espèce de pauvre, va. Sur la paye foyer, ça pour rejoindre. Ah ouais, bon, allez, faut qu'on le fasse. Hop, ça nous téléporte à notre foyer. Ça arrête pas de déconner chez moi. Je suis obligé de refresh pour pouvoir écrire. Ah. Il n'y a qu'un j'aime sur sa vidéo, c'est moi, il mérite mieux. Bah c'est gentil. Je vois des j'aime. Ça bug pour moi. Ouais, enfin les j'aime, c'est surtout pour ceux qui reverront ça en rediff, parce que bon, là vous pouvez me dire directement si ça vous plaît la vidéo ou pas. Hein. Ou des vidéos sur de gameplay sur World of Warcraft. C'est surtout pour ceux qui regardent maintenant en rediff. Je dis maintenant parce que s'ils le regardent, c'est. Pour eux, c'est maintenant. en rediff, ouais, si ça plaît, laisse pause bleu. Et comme ça, bah du coup, je peux savoir. Hein. À la blague, maintenant Turcor est mort. Nous sommes à l'abri des ordres d'orc. Je vais envoyer les paysans tenter de bloquer le passage de manière à qu'aucun orc ne puisse plus pénétrer dans notre territoire. Le vent et l'alliance vous remercient, héros. Je suis un héros. Et j'ai gagné 2 pièces d'argent, d'expérience, qui va sûrement me faire passer des niveaux. Wow! Toujours les gogoles qui viennent se mettre et un marteau de guerre. Allez, hop. Ah non, on passe pas de niveau. Ah, encore une quête, il me saoule. Mon cœur, vous avez un guerrier, blablabla, vous acceptez cette responsabilité, j'ai préparé. Portez les documents du maréchal MacBride au maréchal Dugan à comté de l'or. Dans la forêt d'Elwyn. Très bien. J'ai pas trop la... Très bien, merci. J'ai pas trop l'habitude en plus avec les noms en français. Parce que je crois qu'à l'époque, moi, je jouais en anglais, la version. Donc j'avais tous les noms des comment... Des... Attendez, je vais décaler mon inventaire pour que vous puissiez le voir, en fait. Je peux pas. D'accord, je croyais que je pouvais. On peut pas mettre où on veut les fenêtres. Moi je disais, je regardais en... Je vais déplacer ma caméra. Je jouais en anglais en fait. Ah, attention. Qu'est-ce que c'est ? Ça ? Non, pas maintenant. Un gâteau. Petite pause gaufre. Non. Pas pour moi, pour le monstre qui. Ma petite jawa. Oui. Tiens, regarde. Non, ça venait comme ça déjà. Un œil. Ouais, il est là. Ah. Il n'a pas là.
pasta. Bye bye. Intéressé, va. Elle vient juste me piquer une gaufre. C'est quoi ton jeu préféré? Moi, mon jeu préféré, je sais pas. Je sais pas. J'aime un peu de tout en fait. Tu sais quoi? Je vais même me déplacer de l'autre côté. Oups. Tac. Là, je dérangerai personne. Et normalement, je peux même me retourner. Attendez, hop. Oups, pas comme ça. Tête en bas. Comme ça. Comme ça, je suis face au jeu. Allez. Moi, j'ai pas vraiment de jeu préféré en ce moment. D'ailleurs, je cherche encore un jeu. C'est pour ça que je reviens un peu sur du Warcraft parce que je sais que ça me plaisait beaucoup à l'époque. Mais ouais, je cherche encore du. Qu'est-ce qui est. Ouais, un jeu que. Oh, punaise, j'aime bien Arma 3 avec les potes et tout, mais on n'y joue pas beaucoup en ce moment. Et bonjour. Et du coup, ouais, je sais pas trop ce que. Oh, il me saoule, il est encore là, lui, avec sa bécane. Casse-toi. Je sais pas vraiment quel jeu préféré en ce moment. Alors, tous les aventuriers doivent prendre du repos s'ils veulent éviter l'épuisement. Et pour cela, le meilleur endroit, c'est l'auberge de la fierté du lion. Ok. Meilleur ami, l'aubergiste, blablabla. Si suivez cette route vers le sud, vous ne pouvez pas le rater. Parlez à l'aubergiste fermé. Alors, on va à l'auberge la fierté du lion. Gagnera brassard en or. Okay. Merci bien. Alors, attendez, oui, c'est vrai qu'on a une arme maintenant, un marteau de guerre. Dégâts 4 à 7. Ouais, attendez que notre épée là, tout pourri, c'était de 1 à 3. Donc on va aller avec le marteau pour l'instant. Ah, le chat, je le vois plus. Hop, voilà. Le Jawa, il va bien. Ouais, elle va bien. Elle vient juste pour bouffer. Alors, elle joue à côté dans sa chambre, mais elle vient pour me réclamer. Des gâteaux. Bon, dans quelques années, ça sera pour de l'argent. Donne-moi de l'argent. Et un iPhone 12. Et là, je pourrais l'envoyer chier. La pauvre, non, quand même pas. Ah là là. Petite balade. Voilà, on est à la Comté de l'Or. On arrive. Petit village sympa. Typique pour ces toits bleus, comme tous les villages dans World of Warcraft. C'est plus loin, c'est là-bas. Alors, on a d'autres joueurs, hein, des mecs qui ont déjà des armures qui ont l'air terribles. On est sur un serveur français, au fait. Je sais plus le nom. Hein, mais bon, voilà. Donc, si je reviendrai, j'essaie de me rappeler. Non, et si vous voulez me rejoindre dessus, vous pourrez. Pour faire des quêtes ensemble, ou je sais pas, quelque chose. Hein. Si ça vous plaît, donc n'hésitez pas, pour ceux qui regardent en rediff, les pouces bleus à mort, ou même les commentaires, hein, là-bas. Et voilà. Maréchal Dugan, bonjour. Moi aussi. Nouvelle de MacBeard, ouais, Comté du Nord, du Jardin d'Enfants, blablabla. Tenez, il y a ce parchemin pour vous, voilà. Alors, bien, cela, blabla, il faut que je saisisse un des deux. Qu'est-ce que je prends? Un chausse de lancier ou le bouclier de lancier? Main gauche. Parce que là, cette arme que j'ai, là, mon marteau, c'est...
C'est une arme à deux mains, je crois. Hein. Le marteau. Ouais, à deux mains. Donc pour l'instant, je vais choisir ça. Parce que le bouclier, j'aurais besoin de ma main. Donc, je vais... Allez, petit pantalon. Hop là! On est prêt pour la Gay Pride, là, c'est bon. Je sais plus les commandes. C'est comment déjà pour danser? Merde. Tata! Youhou! Allez, les amis! Ramène le chariot! Je sais pas si le chat il marche, mais je vois plus discuter, du coup, voilà. Je fais le con. Hop, pendant que les autres ils font des duels. Objectif, explorer la mine. Fonte du gouffre, puis revenez voir le maréchal Dugan de Comté de l'Or. Allez explorer la mine afin de confirmer ses rapports, puis revenez me voir. Elle se situe au sud de... D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait? Ce n'est pas le seul endroit à avoir des problèmes avec ces mines. J'ai... des rapports disant que les mines, que la mine de Fond du Gouffre à Elvin est aussi infestée de kobolds. D'accord. Wouah! Le gars qui se la joue pas trop avec sa monture. Il y a sa maison dessus. Salut Clone 90, bienvenue sur le live. Il te reste encore une petite... Oh, pas trop longtemps encore, on va bientôt arrêter malheureusement. Juste une petite heure. Après, je vais devoir arrêter. On va passer par derrière. Ah non, c'est ici qu'il faisait le... Ouais, c'est ici. Sur ce truc ici. La caravane, je disais tout à l'heure. Une fois par mois ou une fois, je sais pas, tous les... Ils viennent ici, ils s'installent. Il y a des mini-jeux, des trucs. Des events qu'ils faisaient à l'époque. Je sais pas si ça existe encore. Ils venaient du côté de la... De la horde en plus. Bon, elle va pas me suivre. M'a envoyé un bœuf? Non. Nous, c'est par là-bas. Oh, je suis sûr qu'elle y va aussi. Elle va gâcher mon immersion. Elle va surtout me tuer les monstres avant moi, quoi. Allez, on va essayer d'attaquer... C'est trop loin. Oui, mais attends, on se rapproche. On va essayer de tuer quelques monstres en attendant. Ah, s'en fout complètement l'araignée de moi. Je ne suis pas à portée. Niveau 5. Ça, ça fait quoi ça? Ivresse de la victoire. Oui, je vais faire ça. On a bientôt fini, Leia. J'avais bien calculé, hein. Faut que je cherche l'entrée de la grotte, Léa. Ah, c'est là, de la mine, plutôt. Oui. Ah, tu vois, il y a déjà tes cadavres. Elle est venue déjà tout tuer avant. Ah, elle est là, casse-toi. Explorer... Truc. Oh, on n'a même pas tué de monstre en fait, c'est juste explorer. On y va, hein. C'est parti, on s'en couvre. On n'a pas peur, hein. Clara. Ah, il faut qu'on parle à l'aubergiste, donc on va faire ça. Oula. Ah, t'as les doigts pleins de chocolat, c'est bien. Bien. Donc on a exploré la mine. Oula. Voilà. Maintenant on ressort, si on trouve la sortie, c'est où? C'est par là, je crois. Et on va voir l'aubergiste et on aura fini pour ce petit live.
pour aujourd'hui. Voilà. Non, c'est pas par là. Je me suis déjà perdu. Je suis en train de m'engouffrer, je crois. Ouais, je suis en train de descendre. Alors... Par là-haut ? Je suis perdu. Je crois que c'est là. Yes. Ok, ok. On va rendre la quête. Parler à l'aubergiste. Et s'y poser pour la nuit. Comme ça, ça sera fini pour aujourd'hui. Et je suis content d'être revenu un petit peu sur le... Sur... World of Warcraft. Je suis niveau 5, donc voilà. Jusqu'à niveau 20, c'est gratos. J'ai encore de quoi faire. Donc si vous voulez, je peux le faire avec vous en live. Il suffit de me le dire dans les commentaires. Ouais. Alors, on se tape les retours à pied, c'est chiant. Je sais pas en fait ce qu'il y a de spécial avec World of Warcraft. Pour moi, c'est cette ambiance là, les surtout les graphismes. Je préfère largement les graphismes qui sont pas du tout réels. Hein, c'est grand. Regardez la taille des gants que j'ai. C'est ridicule si on y réfléchit. Mais et puis cette texture comme ça de cartoon, je trouve ça trop. Je sais pas, trop séduisant. Parce qu'après, voilà, c'est toujours la même chose. Hein, les MMO, c'est ça. Hein, faire des quêtes et des trucs. En tout cas, au début, c'est toujours pareil. Les nouvelles, blablabla. Attendez une minute. Une autre mission pour vous, ah, d'accord. Explorer là et confirmer la présence de kobold. Ouais. Voilà, ce sera pour la prochaine fois sûrement. Maintenant, on va aller voir l'aubergiste. C'est ça l'auberge, ouais. C'est ça, ça n'a pas changé. Hein. On reçoit ça, ces messages par là. Et voilà la petite auberge. On va parler à l'aubergiste qui est là. Salut. Je ne propose que les meilleures marchandises. Bienvenue dans mon auberge, voyageur épuisé. Que puis-je faire pour vous? Repos détente. Et du coup, on gagne ça. Citrouille de l'autre soin. Le repos et la détente pour ceux qui sont fatigués et qui ont froid, c'est notre devise. Je vous en prie, prenez place près du feu et reposez-vous. C'est quelque chose de... Ok. On se voit plus tard. À plus tard. Alors, ah oui, on va juste rajouter aussi. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, les brassards. Je fais une connerie. Non, je les ai mis, mais on les voit pas. Ah oui, parce que c'est sous les gants, en fait. C'est. Si on enlève ça, ils sont où les gants? Tac. Voilà, les brassards, ils sont là. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Donc les brassards qu'on vient de gagner. Putain, mais casse-toi. Et les gants. Hop. Par-dessus. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a gagné d'autre? Non. Ça, c'est pour manger. Ça, c'est pour boire. On va aller se poser à table. C'est un tableau de Hearthstone, ça? Un plateau de Hearthstone, je crois. Oh. Vous avez besoin de quelque chose? Faites de cette auberge notre foyer. Voilà. Plus tard. Voilà, merci. Oui, je disais, c'est un plateau de Hearthstone, le jeu de cartes que j'aime aussi jouer. Donc, si vous voulez, pareil, je peux vous en faire aussi des gameplays là-dessus. Ah, c'est marrant, hein. Bon allez, on va s'asseoir quelque part. On peut s'asseoir là? Non, on peut pas. Petit feu, tranquillou. Une quête là-bas. On va aller se poser. Ici. Voilà. Bon, et ben voilà.
Voilà, voilà. On finit ce live sur cette belle image. On est, on va se poser à l'auberge pour finir pour ce soir. Et je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo en direct, hein, pour ceux qui étaient là, donc Zokium, Clone 90, Merej, tout ça, Adam et Flash aussi. Et j'en oublie peut-être, désolé. Mais bon, pareil, comme je vous l'ai dit, donc si vous regardez ça en rediff, que vous voulez plus de gameplay sur World of Warcraft, moi ça me dérange pas de le faire. Lâchez un max de pouces bleus et des commentaires et tout ça. Et ben moi je vous dis à bientôt, à la prochaine surtout. Et puis c'est tout. Ciao.